karibu wote. Banambuka, permettez tous un peu bilingue là. Moi, c'est Josué Boloa, l'international. Je suis à Santon, Rivonia. Je vous ai fait voir le cadre à l'extérieur, classique. Vous venez au Congo, vous le battez trop parce que tout ça va bien. Vous comprenez, donc nous parlons trop parce que nous faisons un bon travail. Alors, je me retrouve devant le président ainsi que la patronne, n'est-ce pas? Ils vont s'introduire. Ce sont eux qui, par la grâce de Dieu, ils ont pu organiser ces beaux cadres ici pour accommoder nos amis qui viennent de l'extérieur. Et on a remarqué aussi que dans le milieu congolais, spécialement congolais, les prêtres n'ont plus d'un endroit à passer. Les prêtres, de place des Alexoutes, qui ne m'a pas comme un Éthiopien. Donc, nous comprenons. Mais dis-moi, Dieu a inspiré à un homme de Dieu, serviteur, mais il est aussi un businessman. Et ensemble avec lui, ils vont nous dire pourquoi cette inspiration caribou autre, c'est quoi, ainsi de suite. Qu'est-ce que nous, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les Congolais, les Sud-Africains, les Nigériens, s'attendent à ces restaurants ici. Alors, restez branchés. Ah. Bon, je ne sais pas. Président, l'homme de Dieu, comment? Salutations. Oui. Bonjour, bien-aimé, homme de Dieu. Révérend Boloa. Bonjour. Salutations et puis présentation à téléspectateurs qui nous suivent au travers. Oui. Moi, je pense que tout le monde me connaît très bien. Moi, c'est Dr Thomas. Je suis pasteur. Je suis aussi un businessman. Je suis aussi visionnaire, un mentor, un enseignant de la parole. Oui. Et je suis avec la patronne. Bon, les quinoa va bien à la patronne. Donc, quand on parle de la patronne, c'est boss lady en anglais. Ça va, hein? Je vais très bien, merci. Bonjour. Présentation à nos téléspectateurs. Moi, je suis Loretta, je suis businesswoman. Et ça, c'est ma première aventure. Je suis aussi la fille du pasteur Thomas dans l'église ainsi que son assistante aussi. Ok. Je suis français. Thierry Ozo sentir en moi. Maman Francine Ngembe. Donc, François Nako, quand on disait, on a ajusté un gars. Bon, je vois, je suis la patronne, hein, vous comprenez. Bon, je suis avec la patronne, Loretta, vraiment merci. Donc, l'idée est venue comment? L'idée originale est venue d'un. Je pense qu'elle va bien s'expliquer. Je vais prendre les dessins. L'idée a commencé avec elle. Et qu'elle est venue me voir comme un homme d'affaires et son pasteur. Et on a mis l'idée ensemble jusqu'à venir avec ces cadres uniques, une vision purement unique qui n'existe ni au Congo, ni en Afrique du Sud. Nous sommes le premier qui est venu avec cette idée. Elle est venue quand elle travaillait dans un hôtel de la plage. Je pense qu'elle doit vous dire ça. Voilà. Elle va prendre le relève alors. La boss l'a dit, la patronne, l'idée est venue comment? Alors l'idée est venue du fait que je travaillais dans un hôtel de la place et j'avais beaucoup de demandes des clients qui voulaient tout le temps manger africain. Pas forcément congolais, mais africain. Alors, chaque fois qu'on les recommandait dans d'autres restaurants de la place, c'était africain juste par l'accoutrement des staffs ou encore juste par le nom ou par la décoration. Mais il n'y avait vraiment rien d'africain là-dedans. Et c'est de là qu'est venue l'inspiration d'ouvrir ce restaurant. Premièrement, parce que voilà, il y avait cette demande et on voulait offrir aussi quelque chose de décent à la population africaine parce que généralement, la nourriture africaine a toujours été vue comme quelque chose de pas propre, pas décent, toujours sale et pas sécurisé du tout. Et voilà, on voulait créer quelque chose de comme ça. Et puis, deuxièmement, l'idée était venue juste pour supporter la vision de l'Église, parce que l'Église, sa première vision, c'est la charité.
Alors la charité qui consiste à nourrir les orphelins, les gens qui sont dans la rue et qu'on sort. Alors le restaurant, c'était une belle plateforme pour nous, pour nourrir les enfants de la rue. Généralement, dans les restaurants, toujours en fin de journée, on a toujours des histoires qui restent. Alors au lieu de les jeter, bien sûr, profiter pour nourrir les gens. Voilà. C'est une bonne idée. Alors en fait, quel genre de catégorie de gens que vous, comme on dit, you are targeting, hein, vous visionnez, qui puissent prendre part à ces beaux cadres Caribou Hôte? Oui. Alors, premièrement, tout le monde. Premièrement, tout le monde, parce que voilà, on n'essaie pas de limiter les gens, toutes les personnes qui peuvent vraiment à faute. On est ouvert à tout le monde, mais notre premier target, c'est d'abord les locaux, les gens qui sont en Afrique du Sud, les visiteurs, donc les touristes d'ailleurs, de l'Afrique ou de l'Europe ou de partout qui veulent expérimenter la nourriture africaine et vraiment tout le monde qui peuvent à faute. La raison que j'ai posé la question, c'est juste pour envoyer le cadre. Si nous allons entrer à l'intérieur, on s'est dit, bon, le petit là, un monsieur là qui n'a même pas des beaux habits, excusez-moi les termes, mais c'est dit, est-ce que je peux venir dans ces beaux cadres ici? Est-ce qu'on va d'abord m'accueillir ici dans l'entrée ici? Dans ce sens-là que j'ai posé la question. Oui. Alors, le client est roi. On n'essaie pas de discriminer qui que ce soit. Mais je pense que, bon, c'est vrai que le cadre vous impose un peu de vous habiller. Parce que, excusez-moi, il y a beaucoup de jolis restaurants de la place ici sur Rivonia. Et si j'ai besoin d'aller manger dans un beau cadre de la place, par exemple, je me dois de bien m'habiller et aller manger. En fait, ce qu'on veut vraiment enlever de la tête des gens, c'est que la nourriture africaine ou le restaurant africain, c'est là où il faut aller quand on est sale. Vous voyez un peu, on veut emmener cette nouvelle culture où vous pouvez bien vous habiller et aller manger dans un restaurant africain. Donc habillez-vous bien. De préférence, je souhaiterais que vous vous habilliez bien et que voilà. Okay, pas dans le mauvais sens, hein, n'est-ce pas? C'est juste, bon, je m'en vais au restaurant, tu comprends? Je m'en vais au restaurant, restaurant. On veut juste corriger quelque chose là-bas. On n'est pas un restaurant, on est ce qu'on appelle en anglais « fine dining ». Vous allez voir le cadre. On veut juste essayer d'aider l'homme noir, de changer leur façon de voir des choses. Mentalité, la pauvreté est une mentalité, ce n'est pas le manque d'argent. Alors, on n'est pas un restaurant. Je voulais juste corriger sur ça, pour que les gens ne puissent pas mal interpréter. Ça veut dire, tu vas aller voir le président, tu as une façon que tu t'habilles. Donc, le temps où l'événement t'impose. Alors, c'est pourquoi on n'a pas de musique où il y a les colos, bina et tout. On joue la musique classique. C'est un fine dining. Ça veut dire, it's an high class. Mais notre menu est purement africain. Et on ne fait pas seulement congolais, Zakaba congolais, on fait sud-africain, on fait nigérien et on fait aussi congolais. Pourquoi nigérien? Parce que le Nigeria, c'est west of Africa. Ça veut dire ghanais, sénégalais, c'est presque la même nourriture. Le congolais, nous sommes maintenant le pays le plus grand en superficie en Afrique. Et ça veut dire Congo à Brazza, à quoi se retrouver. Zambie, qu'on s'est retrouvé angolais, et l'Afrique du Sud, il y a la Zimbabwe, Botswana et les autres. Alors ça veut dire, Caribou Hôte, nous sommes en train de quitter presque toute l'Afrique. Alors même notre menu n'est pas vraiment trop cher. Alors le cadre, comme mon business partner a dit, impose une certaine sorte d'accoutrement parce qu'on est fine dining. Ça veut dire même le Noweta sont bien veste, tu vois. C'est un endroit, c'est un cadre qui t'impose. Système de vie, mais notre menu est vraiment moins cher. Tout le monde a tous la sécurité au lien. Alors on a un menu, ça dépend ma coquine. Par exemple, pondu à 50. Si on a un pondu, on a un pondu. Ça veut dire qu'on n'a pas imposé pour les riches ou la prise de consommation. C'est pour tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Je suis avec le patron et puis la patronne de ces beaux cadres ici. Bon, ils m'ont corrigé pour dire que ce n'est pas un restaurant, un beau cadre de la classe. N'est-ce pas? Je ne vais plus appeler ça restaurant. Mais je cherche le terme en français et fine dining africain. Donc, français n'est aucun. Anyway, je crois qu'il aurait à m'aider avec ce terme-là en français. Mais c'est un cadre-là au Bogoko, il y a dans Moutinos, c'est affordable, hein, abordable à tout le monde. En fait, le projet, c'est comment? Sous Ikaka, on a 4 Afriques du Sud, à Johannesburg, où vous avez encore l'ambition d'atteindre aussi d'autres villes de l'Afrique du Sud, ou même aller au-delà de l'Afrique du Sud, au pays, au Congo et en Afrique du Sud. Pourquoi pas en Nigeria aussi? Caribou Hôte, c'est une vision.
Caribou Hôté, c'est un ministère. Caribou Hôté, c'est un business venture où on aide les hommes d'affaires aussi. Et on est franchise. Ça veut dire d'ici là, on va partir à Cape Town. Et puis on va faire Oatambo, on va faire Pretoria, on va faire Durban. Et là, on va aller aussi à Lubumbashi, à Kolwezi. Et on va faire Kinshasa, on va faire Nigeria, on va faire... Par la grâce de Dieu, c'est comme j'ai dit, c'est une vision, c'est un ministère, c'est plus qu'un restaurant. Donc on n'est pas qu'à Awate. Donc d'ici là, Caribou Hôté va sauver partout dans le monde, comme McDonald's, comme KFC, comme les autres. Yeah. Vous sentez que nous avons j'ai affaire à des visionnaires, n'est-ce pas? Ils ont une vision vraiment élargie. Maman Loretta, qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre? Amine, le menu qui sont ici, la nourriture. Je crois qu'il y a des Congolais, des Nigériens et puis des Sud-Africains. Mais spécifiquement parlant, qu'est-ce qu'ils doivent s'attendre? Qu'est-ce qu'ils peuvent se trouver ici? Quand je viens, ah, il y a tel food. Alors, vous pouvez trouver du pondou, comme on a parlé. Vous pouvez trouver le égoussi, que tout le monde aime bien. Vous pouvez trouver des bananes plantain, vraiment tout. On fait poulet mayo, on fait la viande de chèvre, comme on le fait à Kinshasa, à Bon Marché. On a vraiment tout ce qu'on peut trouver au pays. Ici et au Nigeria et en Afrique du Sud, on a la viande de la tête de chèvre, comme scop. Donc, on a vraiment tout ce qui est vraiment authentique, mais on garantit surtout la nourriture saine et qui ne vous causerait pas de problèmes de santé. Surtout, voilà. Surtout la nourriture saine. Odame Bozong n'a parlé donc au quota retraite à 3 jours. Donc, parce que quand tu termines à manger, tu as une retraite forcée. Et la retraite n'est pas dans la chambre, mais dans la toilette. Mais vous n'avez pas trouvé des jars de nourriture comme ça ici. Donc au lieu, au Tony, puis tu as encore l'envie de venir demain. Et j'aime ce que vous avez l'habitude de dire, que les dimanches, il y a Mambolambate. Dimanche, na samedi, Kolambate, à Mozandoki. Parce que ce qu'on est en train d'offrir, avec les prix que nous donnons, ce moment, je suis allé au Komolamba samedi, dimanche, c'était au Anza Kindoki. Je vous dis franchement, parce que nos nourritures sont tellement importées, nos nourritures sont préparées par des chefs. C'est ça que moi, maman, ce ne sont pas des gens qualifiés. Et samedi, dimanche, on fait ce qu'on appelle en anglais le buffet. Ce n'est pas en français, c'est comment. C'est aussi le buffet, oui. Ça veut dire, dans ces 2 mois d'hiver, on fait à 300 rennes, 2 personnes. Donc, le table commence au bandit dans la nourriture sud-africaine, nigérienne, congolais, tondolo, au lit. Donc, tout ce que tu manges, makasinayo. 300 rennes, samedi, dimanche, c'est le buffet à partir de 12h, samedi jusqu'à 22h, dimanche après culte à partir de 13h, jusqu'à 22h, vous mangez comme vous voulez. Vous voulez au talité. Au talité, on a le buffet, au dimanche, on a ça kindoki. Parce que ce que nous offrons, je vous dis, avec le cadre, avec le prix et la qualité du travail, de nourriture, vous allez voir sur notre page Facebook, notre page Twitter, notre page website, www.caribte.com. Je demanderai à vous nous introduisez, justement présentation moi Mouké, et puis nous allons vous libérer et puis vous allez nous donner l'adresse, comment vous localiser si la personne est en Afrique du Sud, à Johannesburg et en dehors du pays. On continue avec après cet élément. Fumba, Fufu, Missy, Congo. Bisous à tonton.
Oh my God. Mon Dieu. Oh. Si mon rêve et croyez que comme ma réalité la minute, n'a lié les sources à Johannesburg comme en République démocratique du Congo. Voilà, je suis avec le patron, Dr T. Mukala, pasteur et businessman, avec la boss, hein, la patronne de boss, Loretta. Voilà, vous pouvez nous introduire où sommes-nous et voilà. Merci beaucoup. Alors, ça, c'est le Main Auditorium, donc c'est le restaurant en soi. On a voulu créer quelque chose d'intime, pas très grand, petit intime, où vous avez l'impression que vous êtes chez vous à la maison. Donc, ça commence par là. Puis après, nous avons aussi de l'autre côté, nous avons aussi notre bar. Mais notre bar n'est pas un bar assis où... je ne sais pas comment appeler ça, mais c'est juste un bar pour l'exposition de l'alcool et là où nos serveurs prennent des commandes. Et ensuite, je ne sais pas si je dois vous emmener dans la cuisine. Oui, oui, il y a le VIP de l'autre côté. Il faut couper. Oui, la cuisine est de l'autre côté et les toilettes sont de l'autre côté. Ici, on a notre cuisine qui est de l'autre côté. Désolée pour le bruit. Nos chefs qui sont en train de faire les premières commandes. Et voilà. Voilà, je crois que comme vous suivez au travers de nos images, le cadre est perfect. Hein? Perfect. On n'a pas pu penser qu'un Congolais, ici en Afrique du Sud, pouvait réaliser de tels projets, n'est-ce pas? Souvent, nous sommes habitués à Tobengana, à Chisanyama, à Sistema, à Bokutani, à Bovani, à Bozubangome, à Botumbi, bah bon. Mais ici, dis moi, bon, chaque chose a son temps, hein, comme on dit la Bible, chaque chose a son temps. Il y a un temps de Chisanyama, il y a aussi un temps où vous pouvez quand même être classique, n'est-ce pas, avec du dress code un peu formal. Et puis vous venez passer un peu bon moment ici, parce que en suivant dans votre Facebook, vous accommodez les ambassadeurs, les directeurs, hein, qui viennent du pays. Comme je dis, nous sommes la solution aux problèmes africains, pour les Africains. On prépare pour les ambassades, même pour notre ambassade le 30 juin, c'est Karibu Ote qui a préparé pour l'ambassade. On fait aussi pour le Pan-Africain, on a les ambassadeurs qui viennent, on a des ministres qui viennent, donc c'est un cadre pour la classe. Pour la classe, vos contacts, comme ça on va vous libérer. Ok, nous sommes sur Rivonia, donc Kona 12 Avenue and Otham Road, sur Saunton. Et pour le moment, vous pouvez nous contacter sur le 071, j'essaie de donner mon numéro en anglais, en français, 071-722-3979. Voilà. Facebook, Karibu Ote. Oui, oui. Donc Facebook, nous sommes Karibu Ote. Instagram, nous sommes sur Karibu Ote aussi. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Je crois que j'aurai un logo, hein, et moto. Je vais leur donner. Ça, je garde ça. Quand on parle Karibu Ote, bam! Donc, ça, je vais préparer ça pour eux. Dans quelques
moi quelques jours vous aurez ça caribou hôte un signe là hein na barelo ka makase RDC bisope caribou hôte quelque chose de bien donc j'y déjà y pensais. Merci donc nous vous invitons chers congolais diaspora, vous êtes partout aux États-Unis, vous voulez visiter Afrique du Sud, cherchez là où manger, ça c'est le beau cadre. Les numéros seront affichés dans le petit écran. N'hésitez pas à nous contacter, à passer de bons moments avec les amis, avec votre fiancé, avec votre mari, avec votre femme, avec votre... N'est-ce pas? Vous pouvez même booker pour votre anniversaire, n'est-ce pas? Hein, votre anniversaire, vous bookez, vous venez, vous êtes à 15, à 20, donc cet endroit va vous accommoder. Hein, on a besoin de la place pour 50 personnes. Donc on va vous accommoder. Vous allez manger as much as you want. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Soutenons cette œuvre ici. Ça, c'est purement congolise. N'est-ce pas? Mais ça accommode toutes les nationalités. On va se retrouver la fois prochaine. Merci beaucoup, boss Dr. T. Merci beaucoup, la patronne à Loretta. Et vraiment, coup de chapeau et plein de succès à vous. Merci. Voilà. Merci à Thierry qui est à la réalisation. On se retrouve la fois prochaine. Bye. Oh my God. Mon Dieu. Oh. Si mon rêve et croyez que comme ma réalité la minute n'a lié les choses na Johannesburg comme en République démocratique du Congo. Bien mangé, hein?